Laurent Noirot, maire d'Hérissé depuis 2 ans. Action. Il faut toujours être dans l'action. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait un dossier qui en pousse un autre. Futur. Sans oublier le passé, hein. Il ne faut pas oublier nos racines, tout ce qui s'est fait, nos ancêtres et autres, mais il faut toujours regarder de l'avant, aller de l'avant. Voilà, je suis surtout pied sur terre, moi. Même si, voilà, des fois un peu la tête dans les étoiles, ça fait du bien, mais pied sur terre. Aube, c'est déjà le nom de notre département, donc voilà. Même s'il y a des très beaux crépuscules aussi, hein. Mais bon, aube surtout. Et puis c'est le début de la journée, voilà. Vous voyez, comme ma tenue, je me suis mis aujourd'hui, donc c'est bleu. Les ports, c'est bien aussi, ça rappelle notre champagne. Nuit de champagne, c'est bien. Ouais. Bien que Fort de Champagne, c'est bien aussi. Hein. Très régulièrement, on participe en collaboration avec le Cube, et enfin tous les gens du Cube, et puis tous les gens d'organisation, avec les sites remarquables du Vaud notamment. Très souvent, enfin tout le temps pratiquement, on fait partie intégrante du département, même si on est tout au bout là-bas. On fait partie intégrante du département et on tient à être là, ouais. Nigloland, ouais. Nigloland, déjà c'est local, c'est l'aube. Même si les foires de mars c'est régulier, que c'est très bien aussi, mais Nigloland. Champagne forcément, mais je dirais aussi rosé d'Hérissé et coteau champenois, quoi. Nos trois appellations. J'ai été très sportif et je suis encore beaucoup le sport. Bon, un petit côté cœur et stack, mais Suma aussi, c'est bien. Ouais. Il y a un jeune d'Hérissé qui s'occupait, qui a joué au Suma et qui s'occupait encore dernièrement des jeunes du Suma. Voilà. Plus VTT, chez nous c'est vallonné, c'est voilà, donc non, VTT, ouais. Natif, 100% Niaissé, je suis né au Rissé, dans la ferme chez mes grands-parents, voilà. 100% terroir, un pur produit Risto. Et Côte des Barres, même si j'aime bien aussi mes voisins, mais bon, on va être un petit peu chauvin quand même, Côte des Barres. Ouais, coque et bateau, je dirais, parce que c'est vraiment, vraiment les entreprises locales de l'eau. À Cristal, parce que voilà, toujours en rapport avec notre champagne, parce que voilà, nos flûtes en cristal pour boire un bon champagne, voilà, rien de mieux. À Renoir, parce que là, forcément, ils sont proches de chez nous. Et mon ami Thierry Mercuseau, maire des Soies aussi, donc qui fait tout pour que le musée de Renoir et tout ce qui touche à Renoir se développe et aussi soit quelque chose d'incontournable dans le département de l'Aube. Renoir aimait bien le rosé d'Hérissé, il venait en chercher, donc Renoir sans problème. C'est vraiment que l'Hérissé devienne quelque chose d'incontournable au niveau du département. La pépite que l'on a au Hérissé, au niveau patrimonial, au niveau du vignoble, puisqu'on est le plus grand vignoble, et ainsi de suite, que ça soit vraiment reconnu, et connu et reconnu. Accro à mon village, j'ai vraiment envie, voilà, j'ai horreur d'entendre du mal, ou qu'on parle du mal d'Hérissé, ou de, voilà. Donc là, ouais, je suis un peu accro à mon village, quoi. Ma vie professionnelle a fait que je suis parti à un petit moment d'Hérissé, mais dès que j'ai eu l'occasion, l'opportunité, je suis vite revenu vivre complètement. Quoi. Deux mots pour moi résume ambassadeur, c'est le dynamisme, fédérer les gens, voilà, fédérer les gens, et c'est surtout ça, quoi. Parce qu'il représente voilà, tout ce que je souhaite pour l'eau, et justement pour pouvoir amener ma pierre à l'édifice, c'est vraiment ça qui m'a fait rejoindre les ambassadeurs.